température, c'est vers 0 degrés, un petit peu négatif la nuit, mais pas très très froid. Voilà un petit peu les conditions de trafic. Là, je suis avec un SS 9900, pardon, et puis à 900 mètres d'altitude avec une Gamma Master. Le micro est un tourneur. Voilà, que c'est le fret. Ok, QSL, QSL, pas de problème, Joe. Bah écoute, ici président Lincoln version 2, batterie 12 volts, 12 ampères, la puissance est de 8-10 watts. Tu passes bien ici, hein, la nuit commence à tomber dans le fond de la vallée, effectivement. Je suis en train de faire une petite vidéo, là, tu pourras t'entendre si tu le souhaites, voir un peu mon QTH. Mais c'est vrai que comme ça commence à s'assombrir, là, l'appareil a du mal de faire la visibilité. Voilà, je suis à 1000 mètres d'altitude, là, comme je disais, hein, il fait moins 5 degrés, là, mais le vent s'est un peu calmé, c'est bien. Donc, je fais une petite sortie raquette, là, cet après-midi, avec le sac à dos. Et je profite, on va dire, du QTH, là, j'ai installé l'antenne sur un petit point haut. Je suis à peu près à 1000 mètres, là, et bon, voilà, le ciel s'éclaircit un tout petit peu à cette heure-ci, là. Donc je pense que limite on pourra peut-être profiter d'un petit coucher de soleil, enfin on verra bien. Voilà pour l'information là, cher ami, micro retour là, ça passe bien à la Suisse, nickel hein. Oui, affirmatif là, Fred, ben, de mon côté aussi hein, ça passe super, QRO. Je suis un peu toutes tes vidéos sur YouTube, donc c'est assez excellent. En tout cas, t'es bien courageux, t'es passionné, hein. Ouais. Et puis les préparations là, de TTX hein, qui fait chez RCC. De mon côté aussi, j'en ai quelques-uns. Je le connais, hein, je l'ai rencontré cet été. L'ami Olivier, c'était vraiment fantastique, quelqu'un d'extraordinaire. Et puis aussi, hein, il a vraiment beaucoup d'astuces. C'est la grande classe. Après, ben, il faut comprendre qu'il a un peu les délais qui sont longs, mais c'est comme ça. Il m'a expliqué pourquoi. C'est pas évident non plus pour lui, la vie de tous les jours. Donc voilà. Ok, Fred, la force aussi pour la vidéo. Ça me fera bien plaisir d'écouter un petit peu cette modulation avec ce SS 9900 là, qui marche très très bien. J'étais sur RCI pendant très longtemps avec un peu les mêmes conditions de trafic et puis j'ai pas trouvé l'équivalent. Et maintenant là, j'ai trouvé avec le 9900 un petit peu ce qu'il me fallait. Voilà, puis tiens, coup, il est agréable, c'est vraiment très très bon. Voilà, je te repasse le micro, Fred. Ouais, ok, pas de problème, Joe, pas de problème. Bah écoute, c'est dans la boîte. 3 minutes de film, là, tu verras. Bon, c'est vrai que j'ai les mains nues, là, alors ça, je tremblote un peu, mais tu pourras entendre ta modulation. Bah, le 9009 fait un poste exceptionnel, hein, exceptionnel, que je recommande à tout le monde, là. Bah, le mien est chez RCC, là, comme pas mal de matériel en ce moment, en cours de calage, là, des postes qui ont quelques années. Et puis le 9009, effectivement, là, que j'ai quand même eu du mal de. Voilà, malgré les réglages là, de tomber sur point zéro, là, donc je vais demander qu'il jette un petit coup d'œil. Mais c'est un très très bon poste, hein, il n'y a pas de souci. Oui, affirmatif, là, j'ai vu hein, que tu as fait quelques essais là. Il y a 1, 2, 3 mois en arrière, plus ou moins. C'est ce 9009 et puis ton Lincoln qui fonctionne très très bien aussi. Et puis les résultats sont vraiment vraiment excellents. Ouais, t'es courageux, hein, c'est impressionnant. Là. Je me rappelle d'une vidéo là, que t'as fait il y a peut-être 4-5 ans en arrière. C'était la tempête de neige là, sur un des monticules du côté de chez toi. Ok, pas de problème, Joe. Hein. Voilà, bah, c'est dans la boîte. Non, bah, là aujourd'hui c'est calme, hein, y a pas de problème, mais bon, y a un tout petit peu de vent là, c'est un peu frais, moins 5, mais bon, c'est pas non plus la tempête, hein, donc c'est nickel. Hein. Voilà, c'est dans la boîte, là, je vais stopper la vidéo, mais tu pourras t'entendre là, tu pourras te retrouver ce soir ou demain matin là sur ma chaîne, là, tu pourras entendre ta module. Je suis peut-être un petit peu décalé et tout, il faut que je joue du clarifieur, mais bon, tu t'entendras quand même en gros, hein, ça passe très bien ici. Je sais pas si tu veux continuer le QSO ou bien peut-être faire rentrer d'autres OM. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir de t'entendre. Et puis
tasse, en tout cas.